Village Lumamba, territoire Kailo, province Maniema. Voici à quoi ressemblait l'école primaire Lumamba depuis plusieurs années. L'école a été agréée depuis 2006. Nous avons les multiples difficultés, c'est-à-dire on étudie dans de mauvaises conditions, nous n'avons pas de salle de classe, on étudie soit aujourd'hui on étudie ici, d'autres jours on étudie quelque part, donc c'était comme ça. Voici à quoi ressemble aujourd'hui l'école primaire Lumamba que Félix Tshisekedi est en train de construire dans le cadre de son ambitieux programme de développement local des 145 territoires. Nous construisons 6 salles de classe et un bâtiment qui sera destiné au bureau administratif de l'école. Et il y aura également les installations sanitaires pour les élèves. C'est un sentiment de joie. En tout cas, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire à ce monsieur. On l'appelle béton, pour moi c'est béton armé, parce que nous sommes devenus le miroir de cette entité ici vis-à-vis de la construction que monsieur le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait nous donné. C'est grâce à Dieu maintenant pour concevoir cette idée d'abord, de songer aussi au territoire. De bonnes écoles, ça se plaît souvent dans la ville, mais aujourd'hui, et nous qui sommes dans les activités rurales, nous sommes au même niveau. Je peux dire que mon école ici, j'ai déjà regardé les écoles précédentes, mais je n'ai pas encore eu l'école qui correspond à mon école ici. Maintenant, grâce à Dieu, nous remercions beaucoup monsieur le chef de l'État. Voici ce que les habitants du village en pensent. Mimi niko tango mwa kambili sasa ni nasimamia imungini ya village Muyengo. Tunashukuru Mungu na tunamshukuru pia baba raisi Félix Antoine Tshisekedi kwa hii muradi ambayo inafanyika hapa kwetu. Leo kwanza tunaenda kukuta kama batoto bataanza kusoma mkondisyon ya mzuri kama ile somo ikaisha. Le chef de l'État songe à nous, il travaille. Lorsqu'on lui accorde encore du temps, il fera de plus. Na kama batu banaweza kusema vile, tunajua tu ni kusema. Lakini, kwa muda kidogo, makazi iko naende naisha mingi. Na tena ni makazi ya valere sana. Ma masomo, ma hospitali ndani ya territoire yetu iko nafanyika. Et vous, qu'en pensez-vous?